La guerre de l'IA s'intensifie et Google semble vraiment menacé. Mardi 7 février, Microsoft a fait une présentation surprise impressionnante de l'IA ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Et le jour d'après, le mercredi, Google a organisé une conférence sur l'IA, mais s'est complètement rétamé et ridiculisé avec son IA concurrente nommée Bard. Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais parlé de la bataille émergente dans le domaine de l'IA entre Google et OpenAI avec le soutien de Microsoft. Quelques jours plus tard, Microsoft et Google ont fait des annonces, mais les présentations étaient très différentes. Dire que les deux présentations étaient inégales serait même un euphémisme. C'est fou de se dire à quelle vitesse les choses bougent depuis la sortie de ChatGPT, et pour ceux qui ne connaissent pas encore ChatGPT, c'est une IA capable de répondre à presque tout, et qui est 100 fois plus intelligente que Siri, Google Assistant ou Alexa. Ces gens vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout du même niveau. C'est carrément stratosphérique. Bref, nous vivons actuellement la plus grande guerre technologique depuis très longtemps, et il faut le dire, Google avait globalement le monopole dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais dans la première manche de cette guerre de l'IA, c'est la domination du marché des moteurs de recherche qui est en jeu, et Microsoft a tiré le premier coup de fusil sur Google. Alphabet, la maison mère de Google, a perdu 100 milliards de dollars de valeur pendant et après la présentation de sa nouvelle IA nommée Bard, qui est censée concurrencer ChatGPT. Un vrai désastre pour les actions. Les investisseurs n'ont pas du tout apprécié la présentation de Google. 100 milliards de dollars de pertes, ça correspondait à 8% par rapport à la valeur globale d'Alphabet le 8 février 2023. Mais du coup, qu'est-ce que toutes ces histoires peuvent changer pour vous? Eh bien, si Google et Microsoft réussissent leur pari, toute l'expérience de navigation que l'on connaît sur les moteurs de recherche et les navigateurs web risque de vraiment tout transformer radicalement. Et ça pourrait être le plus gros bouleversement du web depuis sa création. Et pour commencer, on va voir ce que fait Microsoft, parce que c'est eux qui sont les plus avancés aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'ils ont investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, l'entreprise qui a développé ChatGPT. Et du coup, ils veulent la mettre partout. Mais pas n'importe comment, ils veulent intégrer une version améliorée de l'IA dans Bing, leur moteur de recherche. Ce qui est un atout vraiment très intéressant, puisqu'elle pourra être connectée à Internet, ce qui n'est pas le cas pour ChatGPT. Par exemple, Bing sera capable de générer du contenu en utilisant deux modes. Le premier mode est le mode plein écran qui permet de produire du contenu, comme on le fait déjà aujourd'hui avec le vrai ChatGPT, mais on peut aussi demander à Bing de résumer l'actualité en seulement quelques phrases, en regardant et en analysant un site Internet. Une utilisation typique du ChatGPT aujourd'hui est de lui demander de rédiger une lettre ou de planifier un itinéraire de voyage, mais il existe un mode encore plus intéressant appelé affichage latéral. Comment ces nouvelles fonctionnalités vont-elles impacter la navigation sur le web? Eh bien, imaginez que vous cherchez une recette ou que vous voulez planifier un voyage. Avec Bing et ChatGPT, vous n'aurez plus besoin de naviguer sur différents sites pour trouver l'information dont vous avez besoin. Tout sera résumé directement dans les résultats de recherche, ce qui pourrait potentiellement éliminer le besoin de cliquer sur des sites web. En fait, chez Microsoft, ils ont poussé ça encore plus loin. L'objectif de Microsoft est en fait d'intégrer ChatGPT dans le navigateur Edge pour permettre aux utilisateurs de demander de l'aide pour obtenir des résumés, peu importe le site web utilisé. L'assistant sera capable de résumer des documents PDF de 50 pages en quelques lignes ou même de générer du contenu directement depuis le navigateur. Avec ça, Microsoft a une ambition très claire et ils le revendiquent publiquement. Ils veulent enterrer Google et ils pensent qu'ils sont en mesure de le faire parce qu'ils n'ont plus rien à perdre dans le domaine des moteurs de recherche. Google domine à 90% sur ce marché alors que Bing n'est qu'à 3%. Et du côté de Google, ça donne quoi? Google nous a présenté Bard, son IA concurrente, lors de leur conférence le 8 février, mais la présentation a complètement foiré en plein live et l'action de Google a drastiquement chuté le jour même. C'était probablement l'une des pires présentations du monde de la tech et sûrement la plus malaisante depuis très longtemps, ou depuis la keynote de Steve Jobs en 2010 quand il n'arrivait pas à se connecter au réseau Wi-Fi. On voit clairement que Google s'est trop précipité et a bâclé son IA, et je vous cache pas que ça fait un peu bizarre de voir Google dans cette posture et avoir autant peur. Google a perdu autant parce que les gens se rendent compte que si ce moteur de recherche dopé à l'intelligence artificielle arrive, il n'y aura plus aucun intérêt à faire des recherches sur Google. En fait, ils sont un petit peu bloqués entre deux chaises. D'un côté, ils disent que eux aussi, avec Bard, ils sont capables d'avoir leur propre IA et de concurrencer OpenAI. Et de l'autre côté, Google va vous dire que pour eux, une intelligence artificielle de ce type, donc du traitement naturel du langage, ne sera jamais fiable parce qu'elle peut inventer du contenu. Mais alors pourquoi ils font quand même une IA de ce type, alors que le discours et la vision ne suivent pas du tout derrière? Et bien sûrement parce que Google a besoin de garder son modèle économique,
et en utilisant une IA pour générer ce genre de réponse, le système de référencement sera totalement différent. Google gagne de l'argent sur les liens qui sont sponsorisés et par la publicité, dans les listes des liens proposés sur la page de recherche, mais avec une IA, tout risque de changer car les liens et les réponses seront donnés directement dans le chatbot. Un très gros risque financier pour Google de se lancer là-dedans, mais Microsoft les a poussés à le faire parce que derrière, Google a une image à garder et c'est celle d'une entreprise de tech à la pointe de l'IA. Donc, il y a tout à gagner pour Microsoft et tout à perdre pour Google. Malgré tout, j'ai hâte de voir aussi ce que vont proposer les concurrents, et notamment Apple, avec Safari, mais malheureusement les petits moteurs de recherche comme Quant ou Ecosia n'arriveront pas à suivre derrière, sauf en adoptant l'API de ChatGPT pour l'intégrer chez eux, mais il faudra des milliards pour concevoir des IA comme ChatGPT, pas juste des millions. Et les petits moteurs de recherche n'ont pas les ressources nécessaires pour faire une IA maison du même niveau. En Europe, les investissements que l'on met dans une seule entreprise de tech dans l'IA se fait en millions, alors que chez les Américains, c'est en milliards de dollars. ChatGPT est arrivé à ce stade grâce à des investissements massifs. En conclusion, l'émergence de ChatGPT a déclenché une vraie bataille pour la domination dans le domaine de l'IA, avec Google et Microsoft rivalisant pour intégrer la technologie dans leurs moteurs de recherche. Bien que les moteurs de recherche plus petits soient peu susceptibles de pouvoir rivaliser de la même manière, l'intégration de ChatGPT dans les principaux moteurs de recherche pourrait potentiellement révolutionner notre façon de naviguer sur le web dans les prochains mois. Sans parler de la puissance disruptive de ces IA sur le marché du travail. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que la vidéo vous a plu, et que vous avez compris pourquoi Google a perdu 100 milliards de dollars en un jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Google va remonter la pente? Ou Microsoft est bien parti pour gagner la guerre de l'IA? Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, à vous abonner, oui, à vous abonner, et activer la cloche pour suivre l'actualité sur l'IA. Merci beaucoup et à bientôt.